Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour ces Une de la presse africaine en français. Nous démarrons donc ce jour, c'est Une de la presse, direction Madagascar avec le quotidien L'Express. Incendie à Amboï-Taïvo, la piste criminelle évoquée. 79 pavillons volés en fumée en une heure au marché des bouquinistes. D'Amboï-Taïvo, la brigade criminelle mène son enquête après un fort déploiement policier au moment des faits. À lire en page 9 pour les détails. Consommation, l'huile raffinée de 2000 litres se vulgarise. Donc à Madagascar, à lire en page 8 pour les détails. Un gouverneur dans de beaux draps, à retrouver en page 5. En Banja, l'effervescence du carnaval du festival Sorogno, les détails à lire en page 10. Voilà donc pour l'Express, nous poursuivons avec le Sénégal à présent et le quotidien Dakar Times pour démarrer. Déti Fall, leader du PRP et sa possible candidature en 2024, un polytechnicien au palais, c'est la question que se pose ce quotidien en page 6. Nouvelle révélation et cible de PASTEF, Pape Djibril Fall, une menace pour Sonko. Donc c'est ce qu'affirme une nouvelle fois Dakar Times. Hein. Et nous terminons avec ce titre, les travailleurs dénoncent la malgouvernance du DG à la DDD. Voilà pour Dakar Times, nous poursuivons avec le quotidien Sud, toujours au Sénégal. Perturbation de la traversée Dakar-Gorée, les insulaires bloquent la chaloupe. Mise en place donc au centre, hein, mise en place d'au moins deux groupes parlementaires au sein de l'opposition, Yewi Walu en manœuvre, Abdoul Mbaye, ancien premier ministre et patron de l'acte. L'objectif est de gagner plus de temps de parole pour l'opposition lors de la 14e législature. Et pour terminer, en page 3, troisième mandat. Dossier Sonko, posture des marabouts, les vérités de Serigne Habib Si Dabak. Basketball, quatrième fenêtre éliminatoire mondiale 2023, le Sénégal se relance. Voilà pour le Sénégal, nous poursuivons avec le Congo à présent et le quotidien, les dépêches de Brazzaville pour démarrer. Forêt, renforcement du système de suivi des émissions de carbone à Brazzaville. Braquage des présumés auteurs mis aux arrêts. La femme au cœur du royaume Téké, donc semaine culturelle à Brazzaville, à retrouver donc dans ce quotidien pour les détails. Nous poursuivons avec le courrier de Kinshasa, toujours au Congo. Fonds minier soupçon de détournement. Sondage de la présidentielle 2023, Géopôle place Félix Tshisekedi devant Fayoulou et Katumbi. Ebola, démarrage de la vaccination des agents de santé à Bénin. Nous rappelons donc qu'Ebola est toujours présent au Congo. La vaccination donc a démarré à Kinshasa. Nous poursuivons avec la Côte d'Ivoire et le quotidien Le Sursaut pour démarrer. Dérapage sur les antennes. Jusqu'où iront les promoteurs des chaînes de télévision ivoiriennes? Ce naufrage collectif qui menace la société d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà, il s'agit là d'une image sur Life TV. Génération et peuple solidaire, Guillaume Soro dévoile la liste de ses hommes de main. Palais de justice, un avocat radié, deux autres interdits d'exercer la profession. Société civile ivoirienne, Pulchérie Gbalem, condamnation et de nombreuses interrogations. Et pour terminer, 717 agents de la DGEAN, de la 11e promotion présentée au drapeau. Donc la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Voilà donc pour la Côte d'Ivoire. Nous poursuivons toujours en Côte d'Ivoire avec le Nouveau Réveil. PDCI-RDA, les grands changements espérés au 13e congrès. Sécurisation des sites d'orpaillage, des dozos à la place des gendarmes, c'est la question que se pose ce quotidien. Présidentielle 2025, comment se fera le choix du candidat? Pourquoi le BP du 15 septembre est très déterminant? Élection partielle, les candidats PDCI ratissent largement.
Des semaines après le drame, Étienne Kouya fait des révélations sur l'incendie de son imprimerie. Décès à la maternité du CHR de Dakba, le ministre Dimba Pierre frappe fort. Voilà donc pour ce quotidien. Nous poursuivons avec le quotidien numérique d'Afrique de ce lundi 29 août 2022. En manchette, nous parlons d'Angola, le MPLA en tête des élections selon les premiers résultats. Nous rappelons donc que les élections législatives ont eu lieu la semaine dernière en Angola. Nous en saurons plus dans quelques jours, probablement au centre. Crise ivoiro-malienne, à quand le dénouement? À lire en page 9. OSC au Burkina Faso, officine politique ou actrice de la veille citoyenne, à lire en page 2. Et pour terminer, agenda de la transition au Burkina Faso, dialogue participatif en vue des élections. Nous poursuivons avec le Burkina Faso et le quotidien Sidoya. Discours islamique dans un contexte d'insécurité, plus de 700 imams et prédicateurs outillés. Lutte contre le paludisme, 16 millions de moustiquaires à distribuer à partir du 30 août 2022. Chronogramme de la transition des acteurs sociopolitiques échange sur l'organisation éventuelle des élections. Et au centre, opération Mama Mama. À Tenko Dogo, le Premier ministre salue l'adhésion des populations. À lire en page 19 pour les détails. Voilà, nous revenons sur le plan national à présent avec le quotidien Les 4 vérités au Bénin pour démarrer. En manchette, retour des membres du gouvernement de vacances. À lire en page 3. Turbulence dans les formations politiques, les militants BR de la 21e CE apportent un soutien franc aux dirigeants de leur parti et à son SGN. Adoption de nouveaux textes à la CASB, voilà le président. Idrissou Ibrahima ouvre une nouvelle page de l'histoire de la pétanque africaine. Mise en commun des partis RLC, FCBE, René Agossa et Paul Humpe dans une stratégie pour gagner les législatives de 2023. Résolution de la crise en Guinée, Yahi Boni boucle sa mission sur une lueur d'espoir. Nous poursuivons avec l'investisseur pour terminer. Digitalisation des services au ministère des Finances, le timbre fiscal électronique, si simple et compliqué pour le duo Yenoussi Wadahi. Renforcement de l'axe Afrique-Asie, le Japon accorde 19,746,84. Donc 19 milliards de francs CFA sur 3 ans à l'Afrique au TICAD 2022. UMPB Hugues à Gonquand dirige le département graphisme pour un mandat de 3 ans. Sale temps pour l'euro, le franc CFA a perdu 11% face au dollar US depuis le début de l'année selon l'investisseur. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme ces lignes de la presse africaine en français. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Gulf TV Africa.